Salut, c'est JC du webzine Néoprog. Pour cette première chronique en images, je vous emmène au pays des poupées gigognes et des compositeurs romantiques découvrir la musique française du début du XXe siècle. Je ne suis pas certain que présenter ainsi ce soit très vendeur, mais bon, passons. Gleb Kolyadine est clairement plus connu pour sa participation au groupe I Am The Morning que pour son travail en solitaire. Mais il ne faut pas oublier que Gleb est avant tout un pianiste sorti du conservatoire de Saint-Pétersbourg. Sous le pseudonyme de Polonium Cubes, il a composé de nombreuses et très belles pièces, principalement jouées au piano. Après un premier album solo bourru d'invités, au passage on se demande pourquoi on appelle ça un album solo, Gleb signe cette fois sous son nom de courtes improvisations au piano, enregistrées entre 2015 et 2019. Le disque s'intitule Water Movements, comme le suggèrent les photographies présentes sur le digipack et dans le livret. L'album contient 13 pièces instrumentales assez brèves, et cette fois, un seul musicien invité joue aux côtés de Gleb sur cet album. Il s'agit de Vladavi à la guitare sur le titre Mirage. Classique, impressionniste, cinématique, ces trois adjectifs collent assez bien à cet album. Les connaisseurs y reconnaîtront sans doute un peu de l'esprit de Poulenc, de Ravel, de Debussy, mais également des inspirations cinématographiques. Le mélomane n'y trouvera sans doute pas totalement son compte. Peut-être à cause du manque d'ambition des morceaux joués. Pour ma part, j'aime l'écouter en musique de fond, pour travailler ou pour me détendre. Si vous appréciez le piano comme l'artiste, faites-vous plaisir en le découvrant, vous pouvez l'écouter sur Bandcamp. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette première vidéo. Si la formule vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et à très bientôt pour Selexia Dreams de Kairos.